d'information tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le député national dit républicain boycotte le conserve la première place du classement après sa victoire ce mardi contre le Cercle Sportif Don Bosco. Aimables téléspectateurs, bienvenue. Ouvrons ces journaux par l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. La candidature de Christophe Mboso Kodia au poste du deuxième vice-président est rejetée par la troisième force politique de l'Union sacrée de la nation qui, à leur tour, porte leur choix sur Antipa Mboussa Nyamwissa. Suivez à cet effet la réaction de Steve Mbikai. Pour qu'on tienne compte de ces équilibres-là. C'est ce qui fait que l'honorable Mboussa Nyamwissa est le candidat officiel d'abord des PAP, mais aussi de la majorité parlementaire. Nous demandons, oui, comme candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, et nous demandons par respect d'abord à ses corps politiques, mais aussi à l'intervention de l'autorité morale de notre famille politique, à tous nos collègues députés, de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, c'est une personnalité issue des Nord Kivu, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous a fait par nos adversaires, nos ennemis. Et bien, il maîtrise bien la situation de la sous-région et il sera un bon candidat au bureau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays. Toujours dans cette logique de controverse au sein du Parlement, dans une déclaration, le député national républicain boycotte le ticket gagnant présenté par le Présidium de l'Union sacrée de la Nation qui ne respecte pas, selon eux, le principe de représentativité de province et le qualifie de népotisme. Regardez. Réagissant à la proposition des candidats à aligner pour l'élection du bureau député de l'Assemblée nationale, faite par le président de l'Union sacrée, faisons la déclaration suivante. La composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter les prescrits de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Il est donc inacceptable qu'une province, une tribu ou un espace provincial occupe deux postes au bureau, alors que d'autres sont absents. Conformément aux engagements du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mandat sera consacré à la lutte contre les antivaleurs. Les députés nationaux républicains ne peuvent accepter des candidatures teintées de népotisme. Tout en reconnaissant les principes de solidarité dans l'attribution des responsabilités, ceci demeure une exception car les règles et les poids politiques, résultat du vote populaire, critère démocratique par excellence. Par conséquent, les députés nationaux républicains demandent à l'autorité de référence de l'Union sacrée de rejeter la proposition faite par le Présidium et d'exiger la représentation équitable des provinces, le respect des poids politiques et de refuser tout népotisme. Les députés nationaux républicains ne voteront jamais des candidatures ne tenant pas compte de ces principes républicains. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'élection de membres du bureau définitif du Sénat, sachez que Pascal Kundwelo est élu président du bureau d'âge au sein de cette chambre haute du Parlement. Merci, veuillez vous asseoir. Sous l'égide du secrétaire général du Sénat, que les élus des élus ont entamé leur exercice parlementaire pour cette nouvelle législature, ce mardi 14 mai, en session extraordinaire. Cette convocation avait comme ordre du jour la mise en place officielle du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement congolais, quelques jours après les élections dans les assemblées provinciales. Devant le sénateur présent dans la salle, Jean Mukwala, secrétaire général du Sénat, a procédé à l'installation du bureau provisoire de cette chambre parlementaire.
territoire. Conformément au triste député du Parlement, je vous remercie. Mes très sincères félicitations. Âgé de 85 ans, Pascal Kundwelo est élu président du bureau d'âge et sera assisté de deux benjamins, notamment rapporteur et questeur, respectivement Ivan Kazadika Konde, 31 ans, et Moïse Ekumbo, 30 ans. Dans sa prise de parole, le doyen d'âge remercie le Tout-Puissant et a présenté ses félicitations à ses collègues sénateurs pour leur élection. Ensuite, Pascal Kundwelo a rappelé la mission de cette session extraordinaire. À votre nom et au mien propre, je présente à ce personnel tous nos remerciements et sincères félicitations. Honorables sénateurs, nous voici en première session extraordinaire de notre législature. L'article 114 de la Constitution énumère quatre points constituant l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Le premier point, à savoir l'installation du bureau provisoire, vient de s'accomplir. La suite de nos travaux portera le point restant à savoir 1. La validation du pouvoir. 2. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur du Sénat. 3. L'élection de l'installation du bureau définitif du Sénat. La validation du mandat du sénateur, élection du bureau définitif du Sénat, élaboration du règlement intérieur du Sénat, et telle est la mission assignée dans cette session extraordinaire. Dans une correspondance adressée au président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, l'AFDCA retire la candidature de Serge Bahati au poste de questeur au profit de Polipoli Lunda, élu de la circonscription de Molemankulu. Changeons de chapitre, le combat entre le rebelle du M23 RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyé par le Wazalendo, ont repris depuis lundi dernier sur plusieurs axes, dont le territoire de Masisi en province du Nord Kivu. Les affrontements se concentrent notamment à Katale, à Bitété, à environ 13 km de Masisi Centre, chef-lieu du territoire. Suivez. Une accalmie relative règne cependant sur d'autres lignes de combat dans les territoires voisins de Masisi. Le combat entre le rebelle du M23 RDF et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, ont été signalés lundi 13 mai dernier sur plusieurs axes dans les territoires de Masisi, en province du Nord Kivu. C'est notamment à Katale et Bitété, à plus ou moins 13 km de Masisi Centre, chef-lieu du territoire de Masisi, selon le président de la société civile de Masisi, Voltaire Batundi. Les combats sont à la porte de Masisi Centre. Nombreux habitants craignant d'être pris en étau se dirigeant déjà vers le territoire voisin de Walikale. Certains obus largués, c'est même lundi, par les forces négatives du M23 et RDF sur la cité de Minova, dans le territoire de Kalehe, en province du Sud Kivu, en provenance de Masisi, au Nord Kivu, ont causé des dégâts, rapportent les sources locales de la société civile. Ces dernières avancent un bilan provisoire d'au moins 2 morts, dont une mère et un enfant, ainsi que de biens et autres infrastructures détruites. Le week-end dernier, les affrontements ont été signalés sur l'axe Bweremena et sur plusieurs collines surplombant la cité de Saki. Et le rebelle ougandais de l'ADF ont mené une nouvelle incursion dans la nuit du lundi à mardi 14 mai à Ndimo, une agglomération située en territoire d'Irumu, dont la chefferie de Manlézé en Vontoukou, groupement de Banda-Levimba dans la province de l'Ituri. Suivez. De rebelles ougandais de l'ADF ont mené une nouvelle incursion dans la nuit de lundi à mardi 14 mai dernier à Ndimo, une agglomération située en territoire d'Irumu, en chefferie de Walese-Vonkutu, groupement Banda-Vilemba dans la province de l'Ituri.
D'après les coordonnateurs de cette organisation, le présumé rebelle ougandais de l'ADF ont tué 11 civils, dont 6 femmes, à 19h lundi dernier. Cela s'est produit après le passage de l'administrateur du territoire d'Iromo pendant sa mission d'itinérance dans le groupement des Banda Vilemba. Ces défenseurs des droits humains déplorent cette attaque tout en appelant le service de sécurité et la population à la vigilance car l'ennemi veut saboter la présence de l'administrateur dans la région. Pour le moment, la population d'Endimo est rouge de couleur. Elle envisage d'enterrer les corps après le retour de l'administrateur militaire, le colonel Siron Tsimba. Signalons par ailleurs que ces derniers temps, les usagers du tronçon routier Luna Komanda font face à des embuscades et des incursions des rebelles ougandais de l'ADF actifs dans cette zone, se soldant toujours par des morts, des civils et l'incendie de véhicules ou de maisons d'habitation. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux de résultats des élections sénatoriales a débuté ce mardi 14 mai l'examen de requêtes introduites en contestation de résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue des opérations de vote du lundi 29 avril dernier en République démocratique du Congo. Parmi ces affaires figurent notamment celles de la ministre d'État en charge de la justice et garde sceau Rose Mutombo Kiese, qui a contesté l'élection d'Anne Mbuguje Marembo, proclamée élue sénatrice de Kinshasa sur la liste du regroupement politique AVCA du ministre Didier Boudimbou. Au sud Kivu, le ministre d'État en charge du développement rural, François Rubota, a contesté l'élection de Bulakali Mululunganya Astrid, proclamé élu sénateur sur la liste de l'UDPS Tshisekedi. Omana Pascal, vice-ministre du plan, proclamé sénateur au Maniema, est également contesté par un autre candidat du regroupement politique AAUNC de Vital Kamerhe. Selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle dispose d'un délai de 60 jours, soit du 8 mai au 6 juillet, pour le traitement des recours et la date du 7 juillet sera marquée par la publication des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Au regard du faible nombre de requêtes introduites en contestation, il s'est peu que la haute cour rende ses arrêts un peu plus tôt que prévu. Après les opérations de vote du 29 avril dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a dévoilé les résultats de l'élection des sénateurs organisée dans 20 provinces de la République démocratique du Congo, permettant de connaître 84 sénateurs de la nouvelle législature. Les autres sièges restants, soit 24, seront pourvus après la tenue de l'élection dans les provinces du Kwilu, Ituri, Nord Kivu, Nord Ubangi, Maïndombe et de l'Équateur. La République démocratique du Congo compte 108 sénateurs élus, en y ajoutant l'ancien chef d'État Joseph Kabila Kabange, devenu sénateur à vie. Ce nombre s'élève à 109 sénateurs. La ville-province de Kinshasa compte 8 sièges, tandis que les 25 autres provinces ont chacun 4 sièges, totalisant 100 sièges. Toujours en province, retenez que depuis quelques mois, de cas de maladie seraient constatés au sein de la communauté Manomampia, située à proximité d'un Tekefurume Mining, une filiale du groupe chinois qui opère en traitement du cuivre et du cobalt dans les environs. Selon une ONG locale, ce problème sanitaire impute à l'usine d'un Tekefurume. Depuis quelques mois, des cas de maladie seraient constatés au sein de la communauté Manomapia, située à proximité de Tekefungurume Mining, une filiale du groupe chinois qui opère une usine de traitement du cuivre et du cobalt dans les environs. De problèmes sanitaires imputés à l'usine de Tekefungurume selon une ONG locale, mais contestés par la mine. En dépit de ces résultats conformes, Tekefungurume a choisi de déplacer environ 1500 familles du quartier Manomapia,
une opération réalisée pour préserver la paix sociale et maintenir de bonnes relations, soulignant ainsi le dilemme auquel sont confrontées les sociétés minières sous la pression de l'opinion publique avec peu d'autres options disponibles. La population de la communauté locale, soit environ 1500 ménages, vont être délogés en échange d'une contrepartie financière. C'est une nouvelle que Teke Fungurume ait accepté de déplacer ses différentes familles. S'est réjoui sur RFI un habitant de la zone, alors que les estimations de terrain sont en cours pour fixer le tarif de réparation. Depuis plusieurs années, dans un secteur minier au cœur de toutes les attentions des défenseurs des droits sociaux et environnementaux, la société mère de Teke Fungurume tente d'aligner ses standards miniers au plus haut niveau international. Membre de l'affaire Cobalt Alliance, qui vise à implanter des normes très strictes dans l'exploitation du cobalt, est aussi l'une des premières sociétés minières internationales à pouvoir revendiquer une notation MSCI. Le gouvernement provincial du Lualaba a cependant mis en place une commission depuis le mois de février dernier chargée d'enquêter sur les accusations à laquelle Teke Fungurume prend part. Ces résultats, non encore rendus publics, devraient permettre d'y voir plus clair. Registre international, cette fois-ci pour lutter contre l'insuffisance alimentaire au Burkina Faso, le président de la République, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis un lot de matériel agricole, notamment le tracteur, moto et de produits de semences aux agriculteurs burkinabés. Nous avons lancé donc deux grosses opérations l'année passée, l'offensive agropastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs, parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir des grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour le monde rural de manière générale. Et pour le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques en particulier, parce que son Excellence le Président de la Transition l'a dit et répété à plusieurs reprises qu'après la lutte contre le terrorisme, la deuxième priorité c'est l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui nous avons l'expression parfaite de cette ambition à travers la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroître la production de manière substantielle et nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est un échantillon d'un lot qui est beaucoup plus important. Comme vous l'avez remarqué, l'espace ne permet pas de tout exposer. Mais il y a également une deuxième phase qui va arriver parce que vous savez que nous sommes déjà dans les préparatifs de la campagne humide. Et il y a la campagne sèche qui va bientôt arriver. Il y a une deuxième acquisition qui va se faire dans le cadre de la campagne humide. Cela va également porter sur un lot de près d'un demi-millier de tracteurs. Donc à terme, nous aurons pour l'accompagnement pour les producteurs dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole, nous aurons à terme 1000 hectares, 1000 tracteurs qui seront mis à la disposition des producteurs, plus 700 motos environ pour le réseau d'encadrement, parce que vous savez que c'est eux qui font le travail au quotidien pour que les producteurs puissent suivre les itinéraires techniques qu'il faut, appliquer les bonnes pratiques pour avoir les rendements qu'il faut à la sortie. Abordons les questions sportives au niveau national. Dans un communiqué officiel, le comité d'organisation de la 58e Coupe du Congo porte à la connaissance de l'opinion publique sportive et au club le réaménagement de certains matchs de cette compétition nationale. Le détail dans ce récit. Prévu pour ce mercredi 15 mai, le coup d'envoi de la 58e édition de la Coupe du Congo connaît certains réajustements de son calendrier, de certaines rencontres.
le match numéro 2 et 4 opposant les football clubs Nouvelle Vie Bomoko de Kinshasa au tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et le football club Mabanga à l'Olympique Club Bukavu d'Awa se disputeront en date du 16 mai au stade Tata Raphaël et à Bounia. Le 22e jour de ce mois en cours, l'association sportive Malebo accordera son hospitalité à l'Olympique Club Renaissance du Congo au stade du 5 mai à Bandundu et le football club Umoja jouera l'association sportive Vutuka à la même date. La rencontre numéro 13 qui croise Espérance de Louélé à Veti de Matadi est fixée en date du 23 mai prochain. À ce titre, toutes les autres dispositions restent telles que reprises dans les calendriers édictés par les comités d'organisation de ces tournois, qui est la deuxième en République démocratique du Congo après la LINAFOOT, qui pour cette édition, 3 ans après, voit son retour avec la participation des grands clubs de la République. Victoire du tout-puissant Mazembe cet après-midi à Kamal City face au Cercle Sportif Don Bosco, 4-0 et les scores. Au coup d'envoi du sifflet final de cette rencontre de la 10e journée du play-off, cette victoire a permis au Corbeau de conserver la première place du classement. Et tout point cet après-midi, attention Philippe Traoré, le contre-pied parfait. En course au titre cette saison, les corbeaux de la ville qui préfèrent ont infligé des gifles aux Salésiens au temple de Badiangwena dans la commune de Kamalondo dans les après-midi de ce mardi 14 mai. Après une première période largement dominée par les hommes de Lamine Ndiaye qui ont réussi le pari de la 39e minute de jeu grâce à un travail combiné du latéral gauche Ernest Luzolo et Oscar Kabuit, Mazembe mène à la pause. Au retour, sans surprise, le buteur Maison Philly Traoré a, grâce aux contributions de ses coéquipiers, réussi à marquer le doublé à la 68e et 81e minute de jeu. Ainsi, il totalise 22 buts cette saison dans les championnats nationaux. 86e minute de jeu, Gloire Moujaya déclenche une frappe tendue à ras de sol, le ballon relâché par les portiers du Don Bosco dans le pied de Jean Diouf qui traînait dans les surfaces adverses et propulse le ballon dans la cage de Roubembe et donne plus d'avantages à Mazembe. 4 buts contre 0, score permettant au Corbeau de rester en tête du classement avec 26 points, laissant Maniema Union et les Saint-Éloi Lupopo avec 23 et 20 unités. Il est à noter que Dauphin Noir de Goma est le prochain adversaire de Mazembe le 18 mai avant le derby historique de Lubumbashi face au Saint-Éloi Lupopo le 22 de ce mois en cours. Et Yohan Wissa devient le Congolais qui a le plus de buts en championnat anglais. L'attaquant de Brentford compte désormais 25 réalisations. Par ailleurs, Sonsen Bimba et l'Olympique de Marseille avaient battu Lorient dans la soirée de dimanche dernier. Un pas vers la bonne performance des internationaux congolais évoluant à l'étranger. Suivez. Plus que quelques jours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les joueurs de la sélection nationale congolaise se comportent en bien dans leurs clubs respectifs. Avec 25 buts, Yohan Wissa devient le Congolais qui a marqué plus de buts en Premier League anglaise après la 11e réalisation de la saison qui a permis à Brentford de s'imposer sur la pelouse de Bournemouth le week-end dernier dans une explication de la 37e journée du championnat anglais. Encore 2 matchs à jouer cette saison, Théo Bongonda et Sparta de Moscou ont remporté les duels face à Krasnodar par 1-0. Les Congolais est entré à la seconde période et s'est montré très actif et disponible pour les clubs RIS et la sélection nationale. Et dans la soirée du dimanche dernier au stade Vélodrome de la France, l'Olympique de Marseille a titué le FC Lorient par 3-1. Signalons la présence du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Chancel Mbemba, sur la pelouse pendant cette rencontre aux côtés du Marseille et Gédéon Kaloulou était resté sur le banc du côté Lorient. Par ailleurs, la formation de Nantes où évolue Samuel Moutoussami s'est inclinée à domicile face à Lille sur la note de 2-1. Le médiateur congolais a débuté à la 75e minute de jeu et son club se classe 14e avec 33 points. Dimitri Bertrand, titulaire avec Montpellier, ont fléchi le dimanche dernier par 2-0 face à l'AS Monaco. Le portier congolais a réalisé 6 arrêts dans cette rencontre. Notons que
21 jours seulement nous séparent du match face au Lion de la Teranga du Sénégal, 29 jours pour jouer les Équirés du Togo à Kinshasa. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de maracuja? Les détails dans ce récit qui vous propose la rédaction. Page météorologique, cette fois-ci, demain à Kinshasa, une plausible pluie sera au rendez-vous. La température dans la matinée sera de 23 degrés Celsius, mais dominée par une ressentie plus chaude, soit de 25 degrés Celsius. Et la force du vent oscillera aux alentours de 3 km par heure. Et à l'après-midi, le ciel sera bien ouvert. La température atteindra le 27 degrés Celsius, marqué par une ressentie plus chaude de 31 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera un tout petit peu nuageux. La température va rechuter vers 25 degrés Celsius. Nous arrivons à la fin de ce rendez-vous informatif sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, le rappel de titre. Merci infiniment à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.